Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, je vous ai proposé l'essai du Sportster S. Et bien aujourd'hui, je vous propose de retourner chez Harley Davidson et on va regarder la moto d'un peu plus près. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, je vous laisse le lien juste là. Allez, c'est parti! Alors, nous voilà devant la concession Harley Davidson Tour. Voilà, le Sportster S. Donc, que j'ai essayé il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, donc, on va la regarder d'un petit peu plus près, voir en détail la finition de cette moto. Alors, on va commencer par le logo sur le réservoir. Alors, moi, franchement, je trouve que le réservoir est magnifique. Et je trouve que le logo est vraiment bien réussi, quoi. En plus, ici, là, on a sur cette finition noire un petit logo pailleté. Je trouve ça très, très réussi. Et on a le rappel, en fait, de la couleur du réservoir sur les caches culbuteurs, ici. Qui sont également pailletés du même coloris, bronze. Et ici, également, même couleur. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire déjà pour commencer de cette moto? C'est un Sportster, oui, mais qui n'a rien à voir avec les Sportsters jusque-là existants. La première chose qu'on peut constater par rapport aux anciens, c'est la différence du cadre. Ici, on a un cadre avec un moteur porteur. Voilà, on a une partie avant du cadre qui est fixée ici. Là, avec un point d'ancrage ici. Et c'est tout. Cette première partie, donc, c'est l'avant de la moto qui est fixée sur le moteur. Donc le moteur fait partie intégrante du châssis. Et on voit qu'à l'arrière, voilà, on a un point d'ancrage ici. Pour le bras oscillant arrière et puis un point d'ancrage ici également pour le haut, la partie arrière haute de la moto. Donc grosse différence par rapport à l'ancien Sportster, puisque on se retrouve avec un moteur qui fait partie intégrante du cadre et donc une rigidité accrue du véhicule. Ça se ressent forcément dans le comportement routier. On a ici là le bras oscillant, cette pièce là je la trouve vraiment magnifique. On voit pour la rigidité et l'accroche de la suspension ici. Tout est pris sur cette pièce-là, avec des points de soudure, ces trois tubes-là, c'est vraiment superbe. Et on retrouve la même chose, évidemment, de l'autre côté. Voilà, et on a donc cette pièce-là que je trouve plutôt jolie aussi, mais après le choix d'accrocher la plaque sur cette pièce qui est belle, hein, c'est une belle pièce, ça c'est sûr, mais d'emmener la plaque ici à l'arrière complètement, bah, ça fait qu'on casse un petit peu l'effet de dégagement de la roue qui est plus sympa je trouve. Il aurait plutôt fallu trouver une solution de
de plaques plutôt de ici, hein, donc ça, à mon avis, ça va venir avec les accessoiristes. On va trouver des solutions, et déjà qu'on trouvait des solutions pour accrocher la plaque ici, plutôt que de la fixer sur cette grosse pièce qui vient un peu masquer l'arrière de la roue. Mais la pièce est néanmoins très jolie, je trouve. Voilà, et ici on voit les différents points d'ancrage de la partie arrière de la moto, du bras oscillant, et ici également, donc à l'avant, avec des points d'ancrage directement sur le moteur. Ici et là. Et ça, c'est vraiment une grosse nouveauté. Alors, fourche inversée, avec des freins Brembo, un pneu très large, ici le garde-boue qui est très court, pour laisser tout l'esthétique à la roue et à la taille de cette roue qui est quand même assez imposante. On est en 160 pour ce pneu avant. Mais regardez la vidéo où je l'essaie, vous verrez que ça n'a pas franchement d'incidence sur la maniabilité de la moto, puisqu'elle reste très très maniable. On a des jantes à bâtons, mais qui rappellent quand même l'esthétique d'une jante à rayons. Bon, c'est clairement une moto qui est quand même hyper moderne, quoi. Alors, sur ce modèle-là, on a un petit pouf qui a été rajouté, qui est optionnel, qui est plus ou moins judicieux au niveau de l'esthétique, hein, je trouve, c'est pas très très joli. C'est quand même plus joli, la moto est plus jolie quand on n'a pas ce petit pouf, néanmoins, bah, ça permet quand même d'emmener un passager. Alors, c'est rudimentaire, hein, c'est hyper dur. Faut pas rouler là-dessus pendant des heures, parce que c'est l'horreur. Par contre, la selle, voilà, on voit, la selle, elle, est très confortable. Avec ce petit bourrelet là qui maintient à l'arrière. On a ici la prise pour pouvoir raccorder un chargeur ou des ports USB par exemple, parce qu'il n'y a pas de prise USB intégrée. Alors nouveauté aussi, le refroidissement, on a un gros radiateur ici. Bon, moi je trouve un petit peu dommage cette partie là, le radiateur, c'est pas très esthétique ça, mais bon, c'est nécessaire. Notamment quand on roule et qu'on se retrouve dessus. Je vais monter dessus là, tac. Et ben, si on se penche un peu sur l'avant, hein, on voit le radiateur qui dépasse quand même pas mal là, sur le côté. De ce côté-là, ça va. Mais de ce côté-là, on voit le bouchon. C'est quand on roule, c'est pas super joli. Mais c'est quand même un élément nécessaire. On n'a pas trop le choix là. Alors il y a un truc qui est toujours aussi impressionnant quand on descend de cette moto, c'est qu'elle penche énormément. On ne se rend pas trop compte à la vidéo. Mais quand elle est sur béquille, elle est excessivement penchée, et comme elle est très basse, du coup, les premières fois où je l'ai béquillée, cette moto, je me suis fait peur. J'ai cru qu'elle allait tomber. Ici, on a également un réglage de suspension arrière. Donc on peut ajuster manuellement donc, la suspension de la moto. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et là, pour le coup, c'est esthétique aussi, parce qu'on voit qu'ils ont fait un effort pour l'intégrer de sorte à ce qu'on le voit pas trop, mais qu'il soit accessible. Au niveau du guidon, les rétros sont calés sur l'extérieur. À l'essai, c'est hyper pratique, hein, enfin en tout cas, ils sont efficaces. Mais par contre, je pense que je ne l'ai pas essayé en ville, dans l'utilisation urbaine. Peut-être que c'est un peu gênant parce qu'ils dépassent quand même pas mal pour circuler entre les voitures. Et ça doit un peu gêner, je pense. Néanmoins, ils sont efficaces. Alors au niveau des commandes guidon, même si on en avait parlé un petit peu dans la vidéo précédente, je vous les remontre. Donc ça, c'est hyper pratique. C'est le Komodo pour les phares. Et franchement, appel de phare comme ça, feu de croisement là quand on est en position normale, et ici les pleins phares. Donc c'est top. Ici les poignées chauffantes. Là, le régulateur de vitesse. Mise en marche, arrêt, et
et puis réglage. Ici, c'est pour naviguer sur l'écran principal. Les clignotants à la japonaise. Ouais. Donc, je mets le clignotant en marche et j'appuie dessus pour l'éteindre. L'avertisseur sonore. Ici, on a une commande pour l'intercom. Donc, on peut commander l'intercom et par exemple playlist du téléphone, puisqu'on peut raccorder son téléphone directement sur l'ordinateur de bord, donc sur l'écran principal. On a ici le commutateur de démarrage et les différents modes, normal, sport, et puis ceux qu'on peut paramétrer également, les warnings. Ici, on a un petit commutateur qui permet de déclencher les commandes vocales. Ici, clac, appeler dernier numéro et pouf, ça appelle. Voilà. On va regarder le compteur. Je mets le contact. Voilà. Ici en bas, on a un voyant qui clignote, mais c'est juste parce que là comme on n'a pas le contact, c'est un avertisseur classique, on va dire. Ça s'éteint quand on démarre, évidemment. Ici, on a le voyant moteur et l'huile également qui sont allumés parce que la moto est éteinte et que je viens juste de la démarrer. On voit déjà que là, j'ai eu un changement de lumière. La lumière est un peu rasante là, au niveau du soleil, mais on voit très très bien l'écran. Donc, quelle que soit la position de l'écran par rapport au soleil, on aura toujours une visibilité adéquate. On a le nombre de kilométrages, l'essence, le rapport engagé, la vitesse et le mode au-dessus. Donc là, avec le bouton mode qui est ici, si j'appuie dessus, là, j'ai mon mode qui change. A, B, pluie, route classique, on va dire, et sport. Donc ça veut dire qu'on a deux modes qui sont paramétrables et on peut tout paramétrer dedans. Ici, donc, de ce côté-là, je vais commander la navigation de mon écran. Donc là, si j'appuie sur maison, j'arriverai sur cet écran-là. Et si je fais défiler, voilà, donc là, j'ai appuyé sur la pagination. On me dit aucun dispositif connecté, évidemment, puisque pour l'instant, j'ai aucun appareil connecté dessus. On a la musique, donc, qu'on récupère sur le téléphone. Le mode diagnostic. Ouais. Je peux te filmer, c'est pas dérangeant? Non, non. C'est toujours bien d'avoir l'avis de quelqu'un qui ne connaît pas l'engin, ouais. Ah ouais, ouais, j'avais pas vu celle-là encore. C'est, pas bien, quand même. Bah, c'est le dernier Sportster. J'avais pas encore vu, j'avais vu en photo, mais ça, c'est pas le même rendu. Hein. Ouais, non, c'est sûr. La photo et la réalité. Ouais. Il est bestial quand même. Je trouve qu'il est agressif. Ouais. Ah ouais, il est vachement agressif. Hein. Et c'est le cas aussi sur la route. Hein. Ah ouais, pareil. Ouais. C'est une petite bombe. C'est le même moteur que... Que la Panamérica. Il est étalonné différemment, il développe 120 chevaux à peu près, celui-ci, alors que la Panamérica, c'est plus de 150. D'accord. Mais c'est le même moteur, par contre, ouais. Un gros réservoir, il m'a l'air... Ouais. Ah, c'est le même réservoir. Puis je crois que c'est un 12 litres, ouais. 12? Putain, il a l'impression de faire plus, quand même. Ah, la gueule, hein. Ouais. Autant en photo, je l'ai vu, je trouvais pas ça top. Et là... C'est la réflexion que je me suis faite aussi la première fois que je l'ai vu. Ah ouais. Et les pots qui me paraissaient démesurés au niveau de la taille, ouais. En fait, ils sont pas si gros que ça. Là, je trouve que ce système comme ça, là, ça fait un petit peu comme Ducati quand ils ont sorti la Diable. Là. C'est la ça. Diable. Bah ouais, ouais, c'est tubulaire en plus, donc... Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ah ouais, mais elle est belle. C'est beau, hein. Ah ouais. Et ben voilà pour cette vidéo. J'espère que le tour de cette Sportsteress vous aura plu et qu'il sera complémentaire avec ma vidéo précédente sur l'essai. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous l'avez essayé cette moto, ce que vous en pensez, si elle vous a plu ou pas, parce qu'on se rend bien compte que cette moto, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas elle ne laisse pas indifférent, ça c'est sûr. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine, et on se dit à bientôt. Allez, ciao !